Sept frères et une sœur est le titre d'un livre écrit par Zamenga, écrivain de la République démocratique du Congo, né en Kolo dans le Bas-Congo en 1933. Zamenga est l'auteur de plusieurs œuvres, dont Les Hauts et les Bas, Bandoki, Carte postale, Terre des ancêtres, Village qui disparaît, 1000 km à pied, Un croco à Louosi, Chéri Basso et j'en passe. Sept frères et une sœur, voilà l'histoire d'un clan que l'on découvre au fil des pages. Très vite, on se demande comment sept frères et une sœur de la même mère et du même père peuvent vivre au début du 19e siècle jusqu'à l'indépendance du Zaïre. Les principaux faits relatés dans ce livre s'étendent en effet sur cette période. La réponse à cette question est simplement donnée par Zamenga lui-même, spécialement au nom africain. Il précise que le mot frère ne revêt pas toujours la même signification chez le Muntu. C'est là que ça devient intéressant. Car si chez les Occidentaux est frère ou sœur toute personne née des mêmes pères et mères, chez les Africains est frère ou sœur aussi la personne issue du même clan. Voilà. C'est cela l'Afrique profonde. L'Africain parle indistinctement du frère des mêmes parents et du frère de même clan. Si bien qu'il est même gêné de faire apparaître cette distinction. Il parle avec beaucoup d'affection de sa mère, de son père, de son frère ou de sa sœur qui ne sont pas nécessairement sa mère et son père biologique. Les mots cousin, cousine, oncle et tante sont pratiquement inexistants, même si avec l'acculturation, ces valeurs se perdent. Mais en réalité, l'Africain n'a que des mères, des pères, des frères, des sœurs et des enfants. Par ailleurs, le problème posé par Zamenga dans ce roman et raconté sous forme d'anecdote nous fait prendre conscience du problème philosophique qu'est le suicide. En effet, cet acte de vie mené à mort apparaît tragiquement ambigu, car cette suprême agression ne soit pas que soi, mais laisse les survivants meurtris dans leur conscience. À tout hasard, un extrait. Le clan perpétrait un matang. C'est une manifestation organisée tous les 5 ou 10 ans pour commémorer la disparition de tous les grands ancêtres. C'est un retrait de deuil général, la fête des ancêtres, la manifestation la plus importante de la tradition. On peut dire que les villageois travaillent en fonction des matangs. Pendant plus de 6 ans, on élève des animaux domestiques tels que cochons, chèvres, moutons, poules. Il faut amasser beaucoup de vivres pour nourrir tous les invités pendant plus de 15 jours. Le clan avait invité à cette occasion 5 groupes folkloriques. Il fallait aussi assurer la sécurité des gens contre les ndoki éventuels. Ndoki, ça revient tout le temps. Chaque groupe folklorique avait son féticheur. Les organisateurs de la manifestation avaient recouru pour leur part au plus grand ganga de la région, un certain Mounsa Mbote. Bien entendu, je ne vais pas aller plus loin, sinon je ne vous donnerai pas l'envie de lire ce livre. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui, en vous recommandant de lire encore et de lire toujours, car la lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit, et elle participe à notre accomplissement, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.